Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cartonnage. Allez, on continue la commode aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu hier. J'ai attaqué les petits tiroirs. Je vais continuer les grands tiroirs un petit peu après. Donc là, j'ai, pour ainsi dire, fini un des petits tiroirs. Voilà, je vous montre. Voilà. Bon, là, ce n'est pas encore mis, c'est normal, parce qu'il faut d'abord que je fixe la façade. Et sur la façade, je vais fixer le petit bouton, voilà, ici. Avec mes mains, on ne verra pas bien, mais enfin, je vais fixer le petit bouton au milieu pour pouvoir ouvrir le tiroir. Voilà. Donc, ça fera ça. Alors, je vais essayer de vous montrer à peu près ce que ça va faire. Donc voilà, ça fera ça en façade. Et le petit bouton va venir ici au milieu. Donc voilà, un qui est déjà terminé, pour ainsi dire. Donc à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait bleu. Le fond est noir. L'extérieur est noir. Donc, les grands, vous vous rappelez, j'ai fait l'extérieur bleu. Là, je l'ai fait noir. Voilà. Donc, il me reste deux petits à faire. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'enlève parce qu'il y a encore des petites traces de colle sèche. Mais ça, hop, un petit grattage et ça s'en va. Ça reste pas, c'est bien. Donc, je vais continuer donc ces tiroirs. Et il me restera à finir donc les grands tiroirs donc cette semaine. J'espère terminer. On est quoi? On est déjà mercredi. Mais j'espère vraiment terminer cette commode cette semaine. Parce que là, je suis super en retard pour une autre commande. Que normalement, j'aurais dû terminer la semaine prochaine. Mais bon, mais du coup, je vais voir avec la personne, je vais lui expliquer que là, je suis trop en retard. J'espère que ça ira. Bon, la scène de commande va être facile à faire, hein. C'est juste des boîtes, des grandes boîtes. Donc, ça va être des grands cubes. Donc, ça va être beaucoup plus facile à faire et plus rapide. Mais bon, il faut que je les fasse quand même, hein. Donc là, aujourd'hui, ben, on va continuer ces tiroirs. En sachant que je les avais déjà découpés. Alors, hop, je range un petit peu au passage parce que je commence à plus m'y retrouver. En sachant, oui, je disais que j'avais commencé à les découper. Et quand je me suis aperçue que quand j'ai fait le collage, j'avais pris mes bonnes mesures pourtant. Mais enfin, quand j'ai fait le collage, donc en voilà une, ben, ça ne rentrait plus dans le trou. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de. Je regarde, mais il y a. Non. Il me manque. Enfin, il n'y a pas beaucoup en trop. Il y a quoi? Il y a 5 mm. Il y a à peine 5 mm en trop. Bon, ça, elle est déjà collée, c'est rien. Elle va me servir. Je me servirai pour une autre création. Je ne vais pas la redémonter et l'abîmer. Donc, ça me servira pour autre chose. Ce n'est pas un souci. Donc là, je vais redécouper un petit peu celle-là pour qu'elle soit à bonne mesure. Et du coup, je vais redécouper une entièrement pour... comment? Aidez-moi. Pour faire le troisième tiroir, voilà. Mais bon, ça va aller. On ne panique pas, on y arrivera. De toute façon, ça arrive, hein. Et c'est vrai que quand on prend les mesures comme ça, puis bon, que c'est du sur-mesure, justement, bon, bah, des fois, il y a des petits décalages, on mesure, et puis à 2-3 mm près, boum, j'ai pourtant regardé, avant de coller, j'ai mis mes planches, mais quand on met les planches toutes seules, ça passe. Mais une fois que c'est collé, non, ça passe plus. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Et là, maintenant, donc je vais coller celle-ci.
je vais d'abord terminer celle que j'ai attaquée pour mettre donc la faire le trou au milieu pour pouvoir après passer les vis que je cherche, que j'ai mis quelque part. Elles doivent être là-bas. Je vais aller chercher les vis. Je vais couper la caméra juste 5 minutes parce que j'ai laissé le tournevis en bas. C'est ballot, hein, parce que j'en ai besoin. Pour visser, c'est beaucoup plus pratique, hein, un tournevis. Et comme ça, j'aurai un tiroir entièrement terminé. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Et en même temps, je vous bascule. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé les vis, heureusement. Bon, j'aurais pu en demander à mon fils, mais bon, ça aurait été plutôt gênant. Ma règle, elle est là. Il faut que je marque le milieu de ma boîte. Alors, désolée, je vais être deux secondes en... Comment ? Hors champ, parce que là, je suis obligée de mettre ma boîte en hauteur. Donc, pour marquer le milieu, je vais faire une grande croix en diagonale. Voilà. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez la croix que j'ai faite. Et maintenant, il faut que je perce. Alors, je vais percer avec ça un poinçon. Je regarde que je suis bien au milieu, hein, pour pas faire de bêtises. Et que je ne me le rentre pas dans la main. Les vis sont un peu épaisses. Je vous montre, voyez, là, les vis. Il faut que j'agrandisse un peu le trou. Elles sont toutes petites. Voilà, ce sera mieux comme ça. Quand j'agrandis un peu. Heureusement que ce n'est pas une commode avec 20 tiroirs, hein, parce que alors là, je m'en sortirai pas. Mon fils aurait dû me donner des vis un peu plus longues. Je n'arrive pas, ça veut pas, ça veut pas. Elles veulent pas passer, hein. Une force, hein. Mm-hmm.
Ah, voilà, là ça passe. Donc là ça passe. Ok. Je vais couper le carton. D'épaisseur. Là, c'est pareil. Il faut que normalement ça traverse les deux. Mais ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. Edith, tu fais des bêtises. C'est de ce côté-là qu'il faut faire. De ce côté-là. Heureusement que je fais au crayon gris. Hein. Là, pareil, on va percer. D'abord, par un petit trou. On va y aller doucement. Ah, les pompiers. Les pompiers, la maison qui brûle. Bon, moi j'ai la caserne derrière chez moi, donc je les entends souvent. Bon, ici pareil, je vais désépaissir le carton qui dépasse. En essayant de ne pas se couper les doigts, Lilith. Il faut que je vérifie. Et ça va me paraître juste. Poignée pour voir ce que ça donne. Le petit tournevis qui va bien. Maintenant, de toute façon là je vais l'enlever hein, parce que j'ai pas collé, je voulais juste voir si ça passait. Voilà, ça passe, super. Donc si je mets là, impeccable, super. Bon bah c'est bon, ça passe, ouf, mais ça va être long. Et donc là après, pour cacher la vis, je vais remettre un... Bon là, il n'est pas coupé à la bonne taille, hein, mais je vais le recouper à la bonne taille.
je vais remettre un papier, une cartonnette ici, bleu, avec du tissu bleu, et comme ça, ça va cacher la vis. Voilà. J'aurais pu mettre la vis apparente, oui, de ce côté ici, mais ça me prend encore une épaisseur en plus. Et là, bon, normalement, de toute façon, il n'y aura pas de problème pour que ça bouge. Donc voilà. Alors maintenant, je vais redémonter dans l'autre sens. Voilà. Et on va coller cette partie. Ma colle, mon petit sopalin, pour essuyer mon pinceau. C'est bien là encore. Je suis mes doigts pour pas mettre de la colle partout. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Voilà. Donc là, je vais faire d'abord tenir ma colle. Hop. Mettre mon truc bien droit. On va d'abord laisser sécher et après on vissera la vis sur la poignée sur la vis. Voilà. Regarde, je finis de vérifier que je suis bien droite avant. Parce qu'une fois que c'est collé, après c'est mort. Hein. Voilà, donc je vais mettre ma petite poignée dedans et mon petit, voilà, ma petite cartonnette. Donc celle-là est à terminer dans quelques minutes. Et mettre mes vis ici avec les poignées. Comme ça, je ne cherche pas. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième tiroir. Alors le deuxième tiroir, c'est celui du milieu. Il est un tout petit peu moins haut. C'est pas fait exprès, c'est comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, dans les mesures, sinon ça m'aurait fait des mesures un peu n'importe comment, mais bon. Donc là, on va refaire un peu, recouper un peu. Et on va vérifier avant de coller parce que là je vais pas me refaire deux fois la même bêtise. Hein. De toute façon, ceux qui ne font pas de bêtises, c'est ceux qui ne font rien. Vous êtes bien d'accord avec moi, non?
Même les grandes pros du cartonnage, j'en connais quelques-unes hein, qui travaillent mieux que moi. Hein. Ça leur arrive aussi de faire des bêtises. Hein. On n'y peut rien. Alors, je vérifie déjà ce côté-là avant. Ça, c'est le fond. Donc, le haut. On va enlever quelques petits millimètres. Là, ce que je peux faire, c'est vérifier. Voilà. Je vais retirer encore un millimètre pour être... Par précaution, je préfère. Il faut toujours penser quand vous faites du cartonnage, surtout sur mesure, il faut penser à l'épaisseur du carton et il faut penser aussi à l'épaisseur du tissu qui va venir au-dessus. Voilà, donc là, ça doit être bon. Et en hauteur, donc je vais en retirer un tout petit peu. Bon, j'ai peut-être même j'ai pas grand chose hein. Un millimètre ou deux. Ici, je vais reprendre la mesure pour être pareil. Hein. Et je ferai pareil avec les petits côtés. Voilà. Et maintenant, donc les petits côtés, on va faire pareil. Déjà pour ce sens-là. Et on fera en largeur aussi. Et donc en largeur, la largeur on se repère avec le fond. Bon, vous allez dire, je perds du carton, hein, parce que là, je suis obligée de recouper. Mais c'est des chutes vraiment infimes.
Donc, c'est pas de la grosse perte. C'est vraiment quelques millimètres. Et donc, le dernier. Voilà. Allez, un dernier petit coup de cutter. Et on pourra passer à l'assemblage. Voilà, c'est corrigé pour celui-là. L'autre, on doit le faire de toute pièce. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Ça me permet de vérifier que tout va bien. Oui. Tous les papiers charnières pour faire l'assemblage de la boîte, enfin du tiroir. Je vous rappelle que moi, mon matériel en cartonnage, enfin mes fournitures, je les achète à l'éclat de verre, hein, parce que je sais qu'on me l'a encore demandé. Donc c'est un site internet, ça s'appelle l'éclat de verre. Ils font tout pour le cartonnage et l'encadrement et la reliure. Donc ils ont quelques boutiques aussi, ils en ont une à Lille. Et puis après, je sais pas, mais regardez sur le site internet, hein, ils ont quelques boutiques où on peut se rendre. Ça évite les frais de port. Voilà. Là, j'ai pas encore été dans leur magasin à Lille. La prochaine fois que j'irai sur Lille, j'irai certainement voir pour déjà faire un petit peu de plein de carton pour éviter. Bon, dans leur boutique, les frais de port ils sont gratuits à partir de 40 €. Donc, ça va encore. Quand on a besoin de moins de marchandises, c'est embêtant de payer des frais de port pour
Alors souvent moi ce que je fais, quand je vois que je vais payer par exemple 12 euros de frais de port, ben, je rachète pour 12 euros par exemple. Et quand je rachète pour arriver à 40 euros, mais des fois ça me tombe que c'est 10-12 euros de marchandises en plus. Et ben, comme ça, les frais de port, moi je les ai en marchandises. Voilà. Je préfère les avoir en marchandises que de les payer en frais de port. Voilà, d'ailleurs, pour la téléphone, je vais faire une commande ou alors que j'aille sur place, je verrai. Il faudra que je vois avec Chouchou quand est-ce qu'on ira à Lille. Bon, maintenant ça commence à être un peu plus pratique puisqu'on peut commencer à bouger. Mais bon, de toute façon, nous on n'a pas encore bougé. Hein. On n'est pas sauté dans les cafés, les restaurants. De toute façon, nous on n'y va pas en temps normal. Donc on ne va pas sauter dessus. On n'est pas adepte d'aller au café. Ou... Si, par exemple, si on va passer une journée à la mer, un truc comme ça, là, bon, bien sûr, on va aller se boire un petit verre ou manger une glace. Bon, là, c'est normal. Mais sinon, non, on va pas aller se balader en ville pour aller boire un verre au café. Je trouve ça ridicule. Le verre, je préfère le boire chez moi, ça me coûte moins cher. Et je préfère aller voir mes boutiques que de m'asseoir dans un café. Si j'ai 10 euros à dépenser, ben, je préfère les dépenser dans une boutique. Au moins, ce que j'achète, ben, ça me dure plus longtemps que, que le café ou la limonade que j'aurais bu. Surtout que c'est pas pour rien. Quand on voit le prix d'un café ou quoi. À ce prix-là, on en a un kilo, on en achète un kilo au magasin. C'est vrai, hein, des fois je regarde un café, bon, je sais pas combien ça peut coûter maintenant dans un café. C'est quoi, 1,50€, 2 euros, non? Je sais pas si vous y allez. Ben, à ce prix-là, moi, j'ai un paquet de café. Hein. Et je me fais du café pour un moment. Hein. Et à mon goût, en plus. Radin, mais bon, c'est vrai qu'il faut calculer. Puis bon, les cafés, je suis enfant de mes parents avaient un café, hein. Donc c'est pas le truc qui m'attire le plus. En plus, moi, c'était un café dans un village. Donc c'était pas la clientèle, c'était les personnes âgées de bien tous les les sous-lots du village. Il y avait aussi les sorties d'usine qui passaient. Donc c'était ça, c'est le genre de truc qui m'a refroidi. J'ai dit ça, toute petite, j'avais déjà dit à ma mère, j'ouvrirai jamais un café, j'achèterai jamais un café, je travaillerai jamais dans un café. Et je l'ai jamais fait. Hein. J'ai vu mes parents trop galérer là-dedans. Ils y ont perdu leur santé, leurs sous et tout. Donc, non. En plus, ce café, c'était un cadeau empoisonné. Ça a été le cadeau de mariage de mes grands-parents, pour mes parents.
J'appelle ça un cadeau empoisonné. C'est qu'à cette époque-là, bon, il arrivait que les parents achetaient un commerce ou quoi pour les enfants, pour démarrer dans la vie. Non, hein. J'ai vu les dégâts que ça a donné. Trop peu pour moi. Si un petit commerce à la rigueur, un commerce alimentaire ou quoi, ça m'aurait plu. Bon, peut-être plus maintenant, hein, ça, avec le contexte actuel, je sais que maintenant, je n'aurais plus l'idée, de toute façon, j'ai plus l'âge, mais je veux dire, je n'aurais plus l'idée d'ouvrir un commerce de quelque sorte que ce soit. Mais malgré que pendant un moment, je voulais, il n'y a pas si longtemps que ça encore, je voulais ouvrir un magasin de loisirs créatifs. Mais je suis contente de ne pas avoir continué mon idée. Parce que je pense que maintenant, j'aurai la clé sous la porte, hein, quand je vois qu'il y a pas mal de filles qui avaient leur boutique de loisirs créatifs, hein, que je voyais sur Facebook et qui ont maintenant qui ont fermé. Juste avant le confinement, là, il y en a eu 2-3 que je connaissais sur Facebook qui ont fermé. Non, mais moi, là, mes parents, avant, là, à l'époque, quand ils avaient leur café, ça marchait bien quand ils étaient jeunes. Et c'est le village à côté ici, hein, le village à côté de chez moi. Et à cette époque-là, ça faisait un café, une ferme, un café, une ferme, un café, une ferme. C'était comme ça, hein, le village. Une épicerie, une boulangerie, une boucherie, un café, une ferme. Ça faisait que ça, presque que ça dans le village. Et maintenant, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Il reste peut-être 2 fermes. Et encore, les cafés, je crois qu'il en reste 2. Bon, il reste le coin presse, la presse tabac et un fleuriste. Lui, dur. Ça fait des années que je connais et il était à côté du café de mes parents. Et lui, je vois que quand je suis revenue dans la région, il est encore là. C'est une maison, justement, la maison de commerce de mes parents. Bon, c'est plus un commerce, hein, maintenant c'est devenu une maison particulière. C'était mon parrain qui me l'avait racheté, puisque moi je suis fille unique. Hein. C'est mon parrain qui m'avait racheté le bâtiment. Et là, justement, j'ai vu qu'il l'a mis en location. Des fois, je me dis, tiens, ce serait rigolo que je lui demande de louer, que je loue la maison. Mais bon, parce qu'elle est grande, il y a même une salle des fêtes derrière le bâtiment. On avait une salle pour faire les balles. Il y a un immense jardin.
Vous voyez, me faire un atelier loisirs créatifs dans la salle des fêtes. Waouh. C'est un truc qui fait quoi? La salle des fêtes, elle faisait 80 mètres carrés, je crois. Vous voyez, faire un atelier là-dedans. Waouh. Il y a encore au mur, normalement, hein, puisque depuis je n'ai pas revu, mais normalement au mur il y a encore les peintures d'origine avec les dessins qui avaient été faits dans le temps. Il y a une scène, il y a une petite fosse à orchestre, il y a tout. J'aimais bien cette ma maison, mais bon. Que quand j'étais jeune, j'avais peur de la salle des fêtes. Donc je devais y aller des fois le soir parce que mon père avait fait. Du coup, il avait, en plus du café, il avait un magasin de mobilettes, vélos, un peu de jardinage, tout ça. Et donc mon père avait fait son atelier de réparation dans la petite salle des fêtes. Et puis des fois, on faisait un peu de stockage dedans. Et donc, ça m'arrivait que des fois ma mère ou mon père, n'importe, me demandait d'aller chercher quelque chose à la salle des fêtes. Des fois le soir, oh, j'avais peur. J'avais peur d'y aller dans le noir. Quand on est jeune, hein, je serais curieuse de savoir si le sapin que j'ai planté, un sapin à l'âge de 10 ans dans mon jardin là-bas. Je serais curieuse de savoir s'il est encore là. Donc ce sapin aurait maintenant 47 ans. Je serais curieuse de savoir s'il est encore là, ce sapin. S'il est encore là, il doit être immense. Mais bon, je peux pas demander à mon parrain. On ne se parle pas. C'est la seule famille qui me reste en plus. Et, bon, à part mes enfants, hein, bien sûr. Mais je veux dire, ma famille proche, vraiment, c'est la seule personne qui me reste. Mais bon, on ne se parle pas. Donc. Voilà, je papote, mais la boîte avance, hein, vous avez vu. J'ai quand même des bons souvenirs dans ce café. Même vers l'âge de 9-10 ans, tout ça, j'aimais bien servir les clients. Mais bon, moi, j'y étais pas souvent, hein, parce que du coup, comme mes parents avaient un commerce, je vivais chez ma grand-mère, dans la rue à côté. Ma grand-mère voulait pas que je reste dans le commerce. Elle disait que c'était pas la place d'un enfant. Et quand j'y allais, j'aimais bien servir les clients. Servir les bières à la pompe, tout ça. Servir l'essence aussi pour les mobilettes. J'adorais faire ça. Avec la pompe. Alors j'ai connu la pompe comme ça. Ah, j'adorais. Alors les clients me connaissaient super bien. Hein. Donc j'avais droit à ma petite pièce.
J'avais mon petit cochon sur le comptoir. C'est à cette époque-là que j'ai commencé d'ailleurs à jardiner. Toute seule, comme une grande. Peut-être ça aussi, que j'ai toujours mieux aimé les personnes âgées que les personnes de mon âge aussi. Parce que bon, j'étais beaucoup plus entourée de personnes âgées que de personnes de mon âge. Des bons souvenirs dans mon village. Et d'avoir été élevée par mes grands-parents, c'est pareil, j'ai des super souvenirs. J'étais la chouchoute. J'étais la seule enfant de la famille pendant plus de 10 ans, donc c'était bien. Voilà, on papote, on papote, mais la boîte, le tiroir est fini. À la construction. Donc maintenant on va le recouvrir de tissu. Alors je cherche mon côté. Voilà, désolée, il y a eu une petite coupure, j'ai dû m'absenter 5 minutes parce que le facteur est passé. Voilà. Alors, facteur passé avec colis. Alors, le colis, ben, c'est celui que vous attendiez. C'est pour le prochain concours. Voilà, ça y est, c'est arrivé à la maison. Donc, il y aura prochainement une vidéo pour le prochain concours. Youpi! Donc, voilà. On va recouvrir de tissu le tiroir. Donc, j'ai déjà coupé ma bande, hein, du coup. Comme ça, c'est déjà fait. Et là, on va... Alors, je prends... Oh, celui-là, il est plus... Il est tout mort. Oula, il va falloir que je vide ma poubelle, moi. Et en plus, les poubelles sont passées ce matin. Et à chaque fois, j'oublie de descendre ma poubelle de l'atelier. Tant pis. Allez, on va coller le tissu. Alors, donc, j'ai reçu le kit de Diamond Painting pour le concours. Et également un kit que l'on m'a offert pour présenter en vidéo, comme d'habitude. Voilà, donc vous verrez tout ça en vidéo très prochainement.
Donc là, ce sera le dernier concours avant la rentrée. Hein. Voilà, je réfléchissais, mais bon, ce sera le dernier. Pendant l'été, je ne vais pas en faire. Je suis désolée. Oups là. Mais j'ai réfléchi. Vous allez être quand même plusieurs, pas mal, je pense, à partir en vacances, tout ça. Donc, ça ne sert à rien de faire un concours pendant les vacances. Vaut mieux que vous soyez toutes revenues à la rentrée pour pouvoir donner la chance à tout le monde de participer au concours. Je trouve ça un peu plus normal. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je trouve que c'est plus... comment on dit? Je cherche les mots comme d'hab. Enfin, c'est plus normal, voilà. Je cherche le mot, mais je ne le retrouve pas. Encore chaud dans ma pièce, il fait lourd, mais le temps est, je sais pas, il est tout bizarre, mais enfin normalement demain il doit pleuvoir, donc ça va faire du bien au jardin. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas des grêlons hein, comme dans certaines régions, que comme certaines régions ont eu, parce que là je pleure. J'ai vu des personnes qui ont perdu entièrement leur jardin à cause de ça. Bon, comme mon mari dit, vaut mieux le jardin que la maison, hein. Il n'a pas tort. Mais bon, quand on sait qu'on passe plusieurs heures dedans pour y travailler, faire pousser nos légumes, nos fleurs, tout ça, et que tout est foutu en l'air en 10 minutes à cause d'une averse de grêlon. Bon, là, en tout cas, bon, pour l'instant, je suis tranquille. Avec les chiens du voisin là, je les vois pas, ces chiens, en ce moment, donc je ne sais pas où il les a mis. Par contre, il est en train de construire un chenil dans son jardin, chose qu'il n'a pas le droit de faire, mais bon, ça c'est des merdes, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais il se débrouille, hein. Quand il aura des problèmes avec le bailleur, bah, il verra, hein. Moi c'est pas mon souci. Quand il lui fera démonter son chenil et puis remettre, parce qu'il est en train de faire une dalle en béton en plus. Et ça c'est strictement interdit. Moi il se débrouille. En tout cas, je n'ai plus de bonjour, plus rien. Et il devait venir me réparer ma clôture. Ben, il n'est pas venu. Hein, de toute façon, quand il me voit dans le jardin, il se détourne et puis, ou alors il fait vite pour rentrer chez lui. Il devait m'acheter un arbre pour me rembourser celui que ses chiens m'ont cassé. J'ai pas eu d'arbre. Mais c'est rien. Je laisse couler pour l'instant. Et je vais leur demander. Il va penser que j'ai oublié, que j'ai laissé tomber. Mais je ne laisse jamais rien tomber. Il y a peut-être des staffs, mais moi je suis comme un pitbull. Je ne lâche pas ma proie. Et là par contre, j'ai su par les voisins. Bon, nous maintenant, on a changé, comme vous savez, on a changé notre chambre de place. Donc on est sur le devant, donc dans la rue, sur la rue. Et bon, c'est un peu plus bruyant pour les voitures, mais au moins on est tranquille parce qu'on n'a plus les Numba des voisins non plus. Mais il paraît que cette nuit il y a eu du grabuge avec des jeunes qui étaient derrière, qui ont fait la Numba, qui
Ils ont foutu le bordel. Et ils ont tellement foutu le bordel que ce matin, mon mari est passé, a été faire un tour dans le jardin. Il a été vouloir m'arroser mes tomates. Il est gentil, mon chouchou. Et il a retrouvé dans le jardin deux bouteilles de whisky vides. Voilà. Ça doit être ces jeunes qui se sont amusés, après avoir bien bu, à balancer leurs bouteilles vides dans mon jardin. Voilà. Par contre, là, ça l'a mis en colère, mon mari. Il a dit, là, faut pas nous faire chier. Il a pas tort. Là, si je vois quelque chose ou j'entends quelque chose, de toute façon, hier, on a eu un... Pas hier, dans la semaine, en ce moment, régulièrement, notre mère nous fait des vidéos sur Facebook pour nous dire ce qui se passe avec le virus, tout ça, avec les nouveaux protocoles. Et là, comme il y a pas mal de jeunes aussi qui font du rodéo avec leur moto, il y a des gens qui se sont plaints. Et donc il disait qu'il fallait pas qu'on hésite à appeler la police municipale. Oui, mais bon, déjà il faudrait qu'on puisse joindre la police municipale. Et puis bon, ben, une fois qu'on les appelle, même s'ils viennent, il faudrait que les jeunes soient encore sur place au moment où ils viennent. Hein. Mais là, bon, je sais qu'ils sont en train d'installer des caméras un peu partout dans la ville. Ben moi, c'est une ville-village. C'est pas un petit village, c'est pas une ville. C'est une ville-village. Voilà. Ils ont réinstallé des caméras un peu partout pour pouvoir choper justement tous les fauteurs de troubles. J'espère que ça va marcher. Parce que bon, c'est un budget sur la commune, ça. Hein. Normalement, il est prévu qu'on vienne nous mettre des caméras, nous, justement, côté jardin. Donc, j'espère que ça va se faire, parce que c'est justement là derrière qu'il y a le plus de problèmes. Je sais pas, parce que... Enfin, je vais passer pour une vieille, hein. Je suis pas si vieille que ça, hein. J'ai que 57 ans, mais bon. À notre époque, c'était pas comme ça. Et les jeunes, enfin, quand on était jeunes, on était beaucoup plus respectueux des personnes et des choses qui nous entouraient. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de brebis galeuses, hein. Loin de là, il y en avait. Mais, je sais pas. Bon, je sais que c'est aussi l'éducation qu'on donne maintenant. Beaucoup de parents qui lâchent prise. Mais bon. Justement, c'est pas comme ça qu'il faudrait que ça marche. Là, un petit coup de cutter, ça pourrait aller bien au bout de mes ongles. Mes angles, pas ongles. Voilà. Pourquoi ma vidéo est toute noire d'un coup? Voilà. Ouais. Bon, j'ai trouvé. Alors, j'avais mis ma rallonge, mais il y a un petit interrupteur sur la rallonge. Mais j'avais pas appuyé sur le bouton, donc j'avais plus de batterie sur le téléphone. Super. Voilà pourquoi je trouvais que mon téléphone était dans le noir. Mais il filmait quand même. Bon. Voilà, là, j'ai remis la rallonge. Ah, mais bon, je sais pas si j'ai encore beaucoup de place, par contre, sur le... Là, ça me dit quoi? Qu'il me reste... Il me reste normalement 30 minutes de place. Bon, mais bon. On verra bien. Bon, je vais... De toute façon, je vais faire celle-là, de celui-là, de tiroir. On va finir de coller l'autre.
Et puis pour aujourd'hui, on ne pourra pas faire plus hein, pour la vidéo. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, je parlais des jeunes. Mais bon. C'est l'époque qui veut ça. Enfin bon, moi je sais que j'ai, malgré que mes trois enfants, bon c'était trois petits diables, comme la comtesse de Ségur, vous savez, dans le livre La comtesse de Ségur, ils ont toujours été polis, respectueux, n'ont jamais embêté les gens, rien du tout. C'était petits diables avec moi, hein, c'est tout. Mais avec les personnes extérieures de la maison, ah non, ils ont... De toute façon, il n'aurait pas fallu. Hein. Là, ils auraient entendu parler du pays hein, avec moi. Et là, je suis contente, c'est qu'ils éduquent leurs enfants pareil. Hein. Ils ont pas... Bon, ils sont encore petits, hein, bien sûr, mais... Même petits, ils n'ont pas intérêt à faire un pas de travers. Hein. Bon, je sais que maintenant, les enfants, c'est plus dur à éduquer avec tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils voient à la télé, tout ce qu'ils entendent, tout ce qui... Mais bon... Donc, voilà. Là, je vais laisser sécher hein, celui-là. Avant de le continuer, le tour est fini. Donc celui-là, il va rester là pour l'instant. Et on va reprendre notre tiroir à l'avant. Voilà. Donc normalement, hop, un petit poignet. Normalement, ça doit être bon, ça doit être bien collé. Alors, j'ai envie de mettre un petit point de colle sur la poignée, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Alors, mon tournevis. Alors, bon, donc c'est bien ce que je dis. Je vais mettre un point de colle. Colle chaude, colle froide. Qu'est-ce qui collera le mieux? Normalement, c'est la colle chaude, mais la colle chaude, ça, on en fout partout. Paf, 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 paf. Je vais mettre, ouais. Je vais mettre la colle froide. Ah, le bouchon est collé. Il est collé. Je prends ma pince. Paf, paf, paf. Où es-tu? Tu es là. Alors, on va mettre de la colle dans le trou de la bulle. Voilà.
On prend son tournevis. Et là, du coup, bon, je ne pourrais pas mettre aujourd'hui la petite plaquette à l'intérieur. Il va falloir que j'attende que ce soit, que je vois que c'est bien collé. Plein de colle sur les mains, du coup j'en ai pas. Voilà, voyez. Donc là, la petite qui est d'ailleurs un peu trop large. Voilà. Là, il y a très bien. Ça, je la mettrai après. Je vais attendre demain pour la mettre. Voilà. Donc voilà le petit tiroir. Donc on va le... je vais le mettre sur la commode. Et je vais vous montrer ce que ça fait juste après. Alors, parce que là, il faut que je bouge tout. Je vais vous montrer, je vais vous faire une photo pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, je vous mets tout de suite la photo. Donc voilà, vous avez vu la photo. Voilà ce que ça fait. Je trouve ça pas mal. Donc là, on va attendre que, bah, que ce soit bien collé, hein, que ça bouge plus. Voilà. Et je mettrai donc le dernier carton intérieur demain. Pour être bien sûr, comme ça s'il y a un petit souci, je peux redémonter avant de puis revoir, peut-être retrouver des vis un peu plus longues, je ne sais pas, je vais voir, sinon je vais voir avec mon fils s'il n'a pas des vis un tout petit peu plus longues, mais bon, sinon je voilà, je mets la colle, je visse et je visse dans la colle et puis ça bougera plus. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc, celle-là sera terminée demain. Hein, là, je vais bien laisser tout sécher pour pas avoir de petits soucis. Je préfère. Donc là, je vérifie. Elle rentre nickel. Voilà. Par contre, là, comme il n'y a pas la poignée pour la retirer. Hop. Il faut employer. Voilà. Donc ça, là, c'est bon, la taille est bonne. donc celle-là, je la terminerai demain. Et il me restera la troisième à faire. Et puis après, on termine les autres. Voilà. Ah. Là, bon, je pensais venir ce soir le faire, mais non. Ce soir, il y a Top Chef à la télé. Donc, en plus, c'est les demi-finales. Donc, je ne veux pas rater Top Chef. donc je regarde, je ferai peut-être un petit je suis toujours en train de m'amuser d'enlever la colle sur mon, j'ai toujours pas nettoyé mon tapis. Demain soir par contre je pense que je viendrai faire du supplément pour avancer. Je crois qu'il n'y a rien de beau à la télé demain soir, donc mais là ce soir c'est Top Chef, c'est très important Top Chef, moi je regarde. Voilà, pas pour les idées, bon, si, un peu pour les idées de recettes, mais aussi pour les missions, j'aime bien l'ambiance, puis j'aime bien, je te vais, moi. Voilà, allez, je vous remonte un petit peu pour vous faire un gros, gros, gros
Bisous. Voilà. Donc, bon, on a un peu avancé aujourd'hui. Là, maintenant, je vais aller préparer le concours que vous aurez dans la semaine. Là, on est quoi? On est mercredi. Donc, je vais réfléchir. Avant, je vais vous faire une unboxing avant le concours. Et donc, bah, écoutez, je pense que je vous mets le concours en ligne. J'essaye de faire ça dimanche. J'essaye. Voilà. Si vous êtes sage. Si vous n'êtes pas sage, bah, j'attends. Oh, en plus, dimanche, ce serait top. Ouais, si, je vais essayer. Parce que dimanche, c'est la fête des mères en France. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais essayer de mettre le concours en ligne dimanche. Ouais. Je fais mon possible. Bah, comme ça, bah, ça marquera le coup pour la fête des mères. Ouais, on va faire ça. Mais vous êtes sage, hein? Sinon, pas de concours. Voilà. Alors, n'oubliez pas, hein, pour faire le concours, de toute façon, il faut être abonné à ma chaîne. Donc, si vous passez par là, que vous êtes en train de me regarder là en ce moment, et que vous faites du diamond painting, en plus que le cartonnage vous intéresse, que le diamond painting vous intéresse aussi, n'oubliez pas que pour les concours, il faut être abonné à ma chaîne. Alors, on va vite s'abonner, on clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça, vous ne raterez pas la notification du prochain concours. Donc, comme je dis, je fais tout mon possible pour que vous le mettre en ligne dimanche. Voilà. Et ce sera le dernier pour la saison. Voilà. Après, je vais voir donc avec les boutiques partenaires pour refaire d'autres concours à partir de la rentrée. Donc, j'essaierai d'en faire un pour la rentrée. Et après, bon, il y aura Noël aussi après, mais bon, j'essaierai d'en faire un avant Noël et un pour Noël. J'essaye. Il faut que je voie avec les boutiques, hein, parce que bon, je ne peux pas m'avancer. Vous dire oui, il y en aura. Là, ça dépend du bon vouloir des boutiques. Voilà. Allez, je vous fais à tous des milliers de bisous. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Ça dépend quelle heure il est là pendant que vous êtes en train de me regarder. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous. Et des pouces. Faites des poupousses. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.